J'étais tombée amoureuse d'une photo dans un journal. Genre pendant la canicule, quelqu'un dormant dans le champ de Mars, mais comme un ange. Avec tout le monde s'agitant autour, buvant, se désaltérant, secouant leur éventail, marchant, en sueur. Et lui, non, je dors. C'est quand même une forme de résistance quand tout le monde marche, court, s'énerve, obéit, panique, finalement, on se laisse tomber là et on s'endort. Alors, quel est l'alambic? C'est un alambic qui va transformer une image d'un libé qui arrive sur ma table en un, ce qu'on appelle sujet de peinture. Pourquoi ça vient me percuter comme si la photo avait été faite pour moi, elle m'était adressée. J'aime l'effet magique, c'est-à-dire que, et ça c'est les souvenirs d'enfance, j'aimais énormément la peinture enfant, mais on ne peut pas devenir peintre si on n'a pas eu un choc avec la peinture très jeune. J'adorerais pouvoir raconter que c'est en voyant, je sais pas, un Matisse, un Picasso, un Quirico. Non, pas du tout. C'est le sac de Napoléon de David. Bon, alors, pas en entier, quoique le tableau était grand, donc quand on est grand comme ça, évidemment, il est immense, mais c'était le tombé du manteau de velours rouge avec son rebord d'hermine. Et cette petite partie-là, j'en étais... Je m'approchais, je me reculais, je me disais, un être humain ne peut pas faire ça. J'ai demandé à mon père qui m'avait amené au Louvre comment c'était possible de faire ça. Comme prestidigitateur, comment il a sorti une colombe de son chapeau, vraiment. C'est donc l'effet, ce que j'appelle l'effet Hermine. Pour ça que j'ai fait le jean. J'aime que le jean soit, même s'il est hyper saturé, qu'il n'est pas bleu, je ne veux surtout pas qu'il soit bleu, je ne veux pas qu'il soit réaliste, hein, hyper réaliste. Et ça, d'ailleurs, ça le fait, ça marche. Les gens me disent « Non, mais le jean, j'y crois pas. » Et j'adore qu'on me dise ça. En disant « Oh, l'hermine, on dirait qu'elle va vivre, quoi. » Voilà. C'est idiot, c'est Madeleine de Proust, hein, tout simplement. J'ai passé un an et demi à le peindre. Impossible de lui faire dire ce à quoi il rêvait. Impossible de le réveiller, impossible de lui faire dire quelque chose. À un moment, t'as même plus besoin de sujet. Le sujet est le geste même, la peinture, la lumière, tu vois, des trucs. La composition, je balance juste un trait à la place du blanc pour faire comprendre que c'est une lumière. Ça suffit amplement. J'aime les grands formats. Le dormeur, je l'imaginais taille réelle. Donc il est taille réelle. Je savais que l'expo était faite pour la galerie. Je sais qu'il ne peut pas rentrer. Je n'allais pas faire 20 grands formats. Hein. Donc j'ai essayé de faire des détails. Puis tout d'un coup, tu te dis, mais ça suffit ça. Ça suffit, j'ai même pas besoin de tout ça. Ça suffit, ça veut dire... Je vais... Mais ça, tu peux le faire qu'après. Ça sert à quoi? À rien. Bon, après, il y a des gens qui se déplacent, qui la voient, qui l'aiment, qui l'achètent. Alors, ça me semble... C'est magique, en fait. Qui tombe amoureux d'un tableau. Pourquoi ça existe encore dans le monde tel qu'il est? C'est intéressant. Qu'est-ce que les gens cherchent, là? Je ne sais pas s'ils savent le dire, pas plus que moi, je sais dire pourquoi je le fais, malgré tout.